En Inde, on enseigne les quatre lois de la spiritualité. La première dit « La personne qui arrive est la bonne personne. » Personne n'entre dans notre vie par hasard. Toutes les personnes autour de nous, toutes celles qui interagissent avec nous, sont là pour une bonne raison, nous apprendre et progresser dans toutes les situations. La deuxième loi dit « Ce qui s'est passé est la seule chose qui aurait pu arriver. » Rien, absolument rien de ce qui s'est passé dans notre vie n'aurait pu être autrement, même le plus petit détail. Il n'y a pas de « si j'avais fait autrement ». Non, ce qui s'est passé était la seule chose qui aurait pu arriver. Et c'est comme ça que nous apprenons la leçon et que nous allons de l'avant. Chacune des situations qui se produisent dans notre vie devait arriver, même si notre esprit et notre ego sont réticents et non disposés à l'accepter. La troisième loi dit « Le moment où quelque chose arrive est le bon moment. » Tout commence au bon moment, pas avant ni plus tard. Quand nous sommes prêts à commencer quelque chose de nouveau dans notre vie, ça sera le bon moment. La quatrième et dernière loi dit « Quand quelque chose se termine, c'est fini. » Si quelque chose est terminé dans notre vie, c'est pour notre évolution. Donc il est préférable d'abandonner cette chose, d'aller de l'avant et de continuer à avancer, désormais enrichi par l'expérience. Ce n'est pas un hasard. Si vous lisez ceci, si ce texte est entré dans votre vie aujourd'hui, c'est parce que vous êtes prêt à comprendre qu'aucun flocon de neige ne tombe jamais au mauvais endroit.